sommes avec les Chevaliers du Fiel au Salon du Livre de Paris. Messieurs, comment ça se passe le Salon de Paris, vos impressions? Ah bah c'est bien, la dernière fois qu'on y est venu c'était le Salon de l'Agriculture, donc c'est pas pareil. Il y a moins de vaches, mais il y a plein de gens qui sont sympas avec nous. Oh, c'est très bien. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu cette almana du Chevalier du Fiel? Bah, l'almana des Chevaliers du Fiel, c'est un recueil. Il y a un texte par jour, donc il y a des textes de spectacle, des textes de radio, des chansons, tout ça des Chevaliers du Fiel, écrit par Eric pendant des années et des années. Et à chaque fois, il y a par jour une petite anecdote, ou alors une histoire du jour, ou alors un dicton du jour. Ou des photos dont certaines, même nous, on avait oublié l'existence. Et bon, ça va, c'est un espèce de collector de textes, de photos et d'anecdotes, voilà. Qu'est-ce qui fait le succès, votre succès, des Chevaliers du Fiel? Ça, c'est au public qu'il faut le demander. Demander aux gens, mais je pense que, je sais pas, notre complicité, bon, évidemment, je crois l'empathie qu'on peut dégager auprès des gens, voilà, de les faire rire et de se présenter un petit peu comme leurs copains. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ah oui, on peut rire de tout, ça dépend comment c'est fait, voilà. Alors après, nous on dit que c'est le talent qui fait la différence, quoi. Je pense qu'on peut pratiquement tout dire, tant qu'on est assez bien intentionné. Bon, voilà, il y a des contre-exemples célèbres qu'on ne nommera pas pour pas leur faire de pub. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous chantonner la chanson dans la Sim Camille? Je te prendrai nu dans la Sim Camille. Ça c'est des textes importants à chanter au Salon du Livre. Merci beaucoup messieurs. Bon courage. Merci. Merci. Au revoir. Messieurs, bonjour.